Salut tout le monde, c'est Jean-Bloc et nous voici pour une nouvelle vidéo détente sur un jeu que j'ai découvert récemment qui s'appelle Euro Truck Simulator. C'est un jeu, comme le dit, de simulation de camion. On peut pas faire la traduction plus littérale du jeu. Et ça fait peut-être quelques jours que je suis dessus. Voilà, comme vous voyez, c'est marqué une trentaine d'heures. J'ai découvert ce jeu grâce à Joueur du Grenier qui en a fait un peu, pas la parodie, mais qui faisait une parodie du jeu Destin et envoyait Dorian qui fait partie de l'équipe du Zul qui jouait à ce jeu là. Et j'ai dit tiens, il a l'air pas mal, je vais peut-être le tester. Et c'est vrai qu'il est pas mal. Enfin bref, on va essayer de faire un petit trajet, mais vraiment tout petit parce que c'est pas le premier essai que je fais. Et le problème c'est que la dernière fois il a duré 45 minutes le trajet. Donc il faut que je trouve un petit trajet là, vu que à l'heure actuelle je suis basé sur Strasbourg, il faudrait que j'aille genre Metz ou Reims quoi. Voire même Dijon. Le problème c'est qu'en regardant Dijon n'a pas vraiment de tracé. Donc la dernière fois je sais plus quel endroit j'avais été faire. Le truc il avait l'air super loin. Moi je sais, Salzbourg, c'était Salzbourg, Francfort, non, ou Stuttgart, je sais plus. On va prendre Dijon alors. S'il y a Dijon, on prend Dijon. S'il n'y a pas Dijon, je sais pas quoi faire. Apparemment il n'y a pas Dijon. À moins que. On va voir dans les tracés comme ça. D'accord. Strasbourg c'est là et il m'envoie là. Non, Calais c'est trop loin, ça va mettre trop de temps. J'ai pas un tout petit trajet là. Berne? Ouais, pourquoi pas. Ou Zurich? Ouais, pourquoi pas Berne. Berne j'ai jamais fait. Allez, on va partir pour Berne. Donc le chargement est hyper long. C'est la première fois que je le vois aussi long, ça doit être la capture. J'ai été obligé de si baisser graphiquement le jeu. Là on va essayer d'éviter de faire des accidents parce que dans le premier essai que j'avais fait, c'était l'horreur. Et apparemment, le jeu rame un top tip. C'est pas grave. Donc oui, vous allez dire, mais il est moche graphiquement. Mais non, là il est en moyen. Qualité graphique moyen. Donc j'ai essayé vraiment de réduire au maximum pour pas que ça soit dérangeant pour vous. Que ça soit trop saccadé. Mais sinon, en ultra, il prend pas mal de ressources quand même. Prendre la ressource sans prendre la ressource, c'est bizarre. J'ai jamais compris. D'accord, embouteillage dès le départ. Merci, c'est sympa. On reviendra la semaine prochaine. Faut éviter de griller les feux rouges. Parce que, très important dans le jeu là, il faut toujours respecter le code de la route. Si vous dépassez une limitation de vitesse, vous prenez une amende directe qui est ponctionnée sur l'argent que vous avez sur le GPS marqué là. Chaque 4982 euros. Donc il faut éviter de faire baisser cette somme parce que sinon vous allez être à découvrir et vous pouvez vous faire clôturer et vous prendre vos biens comme mon camion que j'ai à l'heure actuelle. Bon, les clignotants sont pas forcément obligatoires mais sont conseillés parce que il peut y avoir une voiture derrière qui va vous tamponner parce qu'ils ont pas vu que vous mettiez le clignotant. Alors j'essaye vraiment de vous proposer quelque chose de correct sans que je fasse trop de gamelles. Parce que sinon ce serait le beau fail. Déjà on a eu quelques minutes, j'espère qu'elle va pas être trop longue la vidéo. Parce que 45 minutes la dernière fois c'était vraiment chiant. C'est vraiment... Ouais, je vais pas gagner beaucoup. Mais au moins je vais découvrir une ville.
que j'ai pas découvert. Je vais peut-être découvrir des routes. Parce que le but dans le jeu, c'est quand même de faire de la route, découvrir des endroits. Je vais essayer au moins de faire un. Doucement. Doucement. Alors, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Vous pouvez aussi, si vous faites un accident, vous prenez des dégâts et une amende, bien sûr. Faut faire attention à la marchandise parce que je vais vous le montrer vite fait. Vous voyez ici, là, j'ai 2% de dégâts sur le camion. Vous inquiétez pas, c'est l'usure des pneus. Faut éviter que la remorque ait des dégâts parce que sinon ça va être le problème, ça va vous coûter et ça va vous retirer de l'argent sur la mission en quelque sorte. Et donc on a plein de paramètres à prendre en compte. Il y a aussi la fatigue, par exemple ma prochaine coupure est dans 10 heures, donc ça va, j'aurai largement le temps de faire ma mission. Mais des fois vous avez des missions qui font 20 heures, mais pas 20 heures réelles, hein. Là c'est marqué 3 heures, mais c'est pas 3 heures réelles. J'ai failli le tamponner, donc j'étais obligé d'esquiver un peu. J'ai eu une petite saccade au même moment, donc c'est vrai que je reçois beaucoup de saccades dessus. C'était le mode qui pose problème parce que j'ai mis un mode. Alors oui, on peut mettre des modes, mais c'est un mode de tout con. C'est juste la traduction des villes sur la carte. C'est juste la traduction des villes, c'est tout. Au lieu d'avoir marqué. Au lieu d'avoir marqué. Comment dire. Milano, vous avez Milan, quoi. Il faut faire attention. Bon, là, la limitation de vitesse ici, elle est pas trop importante. Mais bon, faut faire attention parce que vous perdez de l'argent. Vous faites un accident, vous perdez de l'argent. Toute mauvaise action, vous perdez de l'action. Vous perdez de l'argent. Bon, c'est un monde ouvert style GTA. Mais tout est restreint. Vous roulez que dans un camion. Si vous n'avez pas de camion, vous pouvez pas explorer la ville. Vous avez une carte que je vais vous montrer vite fait qui est très fourni. Voilà, j'ai découvert 48% de la carte. Vous avez plein de villes qui sont très détaillées. Bon, la France malheureusement il manque l'Espagne aussi et le Portugal et une bonne partie de l'Italie, bonne partie aussi de la Pologne, hein, vous me direz. Bon, plein de trucs, mais bon, voyez, tout ce qui est en jaune c'est les routes que j'ai découvertes. Tout ce qui est en gris, c'est les routes non découvertes. Et pareil pour les villes. Quand ils sont en gris, ils sont pas découvertes. Et quand ils sont en jaune, ils sont découvertes. Pareil, vous voyez par exemple Nuremberg, je l'ai pas découvert malgré que je suis passé bien à côté plusieurs fois. Pareil pour Bruxelles, je suis pas allé à l'intérieur de Bruxelles, je l'ai pas découvert alors que je suis passé plusieurs fois à côté. C'est le cas pareil pour Hanovre, pour plein de villes comme ça. Enfin bref, allez, on va rouler tranquillement. Comme je disais, ouais, j'ai découvert ce jeu. Il m'a intrigué plutôt pas. Il m'a intrigué, je dis putain, une simulation de camion qui a l'air aussi réaliste et surtout aussi graphiquement aussi potable. Je me suis dit putain, mais ça le mérite que je découvre ça. Donc j'ai téléchargé la démo, j'ai vite accroché, puis à bout d'un moment, pam, vous avez fini la démo. Veuillez acheter le jeu. Donc j'ai acheté le jeu. Et enfin, c'est vrai que très surpris. Tout ça, on commence sans camion. Donc on doit faire des petites missions pour des entreprises. Des entreprises. Et après, on gagne du pognon. Et au fur et à mesure, on peut soit emprunter à la banque pour prendre son premier camion. Parce qu'on nous offre notre premier garage. Donc pour notre entreprise qu'on crée au début de la partie. Et en fait, on a la possibilité de faire fructifier cette entreprise en faisant des courses et tout ça.
Avec un arbre de compétences, on peut améliorer, par exemple, une longue distance. Plus on aura de points dans la longue distance, plus on pourra faire des courses longue distance qui pourront rapporter un peu d'argent, un peu plus d'argent, mais aussi de faire des trucs fragiles, des livraisons juste à temps, de l'éco-conduite, c'est-à-dire économiser un peu d'essence aussi. Vous avez. Dans l'arbre de compétences, vous avez aussi les trucs chimiques, les trucs toxiques et tout ça, qui vont vous rapporter encore plus d'argent. Vous avez plein d'options qui font que ce jeu est une très bonne simulation. Et il se conduit plutôt bien au clavier parce que j'ai vu The Phantasy 974 qui a fait une vidéo hier, si je me trompe pas, sur le jeu, et qui conduisait au clavier et souris pour tourner avec la souris. J'ai testé à la manette, c'est une très bonne prise en main en manette, et là je suis actuellement avec un volant. Il y en a qui vont me demander quel est ton volant et tout ça. C'est le, pour ceux qui connaissent, c'est le Logitech G27. Voilà, on en parlera plus. Et c'est vrai, plutôt surpris quand même. Parce que quand je l'ai poussé en ultra, graphiquement il est très beau, même s'il il rame un petit peu, il petite saccade, des fois il y a des petits arrêts d'image et tout ça. Bon, c'est pas grand chose, on dirait. Mais bon, c'est vrai que on s'y prend quoi. On peut écouter la radio, on peut mettre de la musique. Par exemple, on a un fichier qu'on peut remplir où on va mettre plein de flux de web radio, tout ça, ou plutôt utiliser les flux web radio qu'ils vont nous proposer. Et c'est plutôt bien parce que ça, dans l'immersion, c'est encore plus poussé. On peut s'écouter, par exemple, on peut écouter la radio de Vinci, là, la radio d'autoroute et tout ça. Et c'est vrai que c'est très immersif. Il manque, j'ai vu sur plein de formes et tout ça, il manque plein de trucs et tout ça. Vous payez aussi votre essence, parce que voilà, il va falloir gérer aussi l'essence. Je vais vous dire, voilà, pour l'instant j'ai assez d'essence pour faire un bon kilométrage, quoi, de bons trajets. Mais c'est vrai que ce jeu offre plein de trucs, même s'il manque plein de trucs. Par exemple, la carte de la France un peu plus détaillée. Avec la possibilité de rouler en Espagne et tout ça, le premier le faisait. Parce que ça, c'est Euro Truck Simulator 2. Voilà, excès de vitesse. Vous voyez? Je vous parlais, j'ai pas fait attention à l'excès de vitesse. Dans le précédent essai que j'ai fait, j'ai aussi raté des virages, des intersections à prendre, vous voyez? J'ai même retourné le camion, je crois. Mais bon, c'est après quand je me suis rendu compte que la vidéo était trop longue à vous proposer. Même si je trouve le jeu plutôt pas mal, 45 minutes c'est quand même beaucoup. Une vingtaine de minutes c'est assez correct. On voit la vidéo de Fantasio 974. Bon, il a fait plein d'ellipses, mais 20 minutes c'est plutôt pas mal. Là, il nous reste plutôt apparemment 1 heure de trajet selon le GPS pour livrer notre cargaison à Berne. C'est des tomates en plus. Et on a bien une fenêtre parce que notre livraison est attendue entre 10h04 et 16h04 aujourd'hui, même le mercredi. C'est dans le jeu, hein, c'est pas réel bien sûr. Et donc il faut être au pire dans cette fourchette-là. Si vous dépassez cette fourchette, par exemple, vous livrez à 17h, vous allez avoir des malus sur votre paye pour la livraison. Et comme je vais revenir un peu au volant, c'est vrai que très immersif, encore plus au volant. Bon, je suis en automatique pour les vitesses. Mais par exemple, vous avez un régulateur de vitesse. Que moi, je confondais avec un limiteur de vitesse. Je croyais que, hop, on appuie sur le bouton, on n'avait pas dépassé la vitesse qu'on avait au moment où on avait atteint le bouton. Au moment où on avait appuyé sur le bouton, la vitesse atteinte pendant qu'on avait appuyé sur le bouton. Il faut que je fasse attention parce que
L'assimilation est très bien utilisée parce que on n'a pas la même conduite quand on a une remorque ou quand on n'a pas de remorque. Parce que pour tourner, ça va être très influençable sur le gameplay, la remorque, parce qu'on va être obligé de tenir compte du camion et de la remorque pour faire des passages. Donc c'est des fois prendre un peu plus large le virage et faire aussi attention dans les virages très serrés de pas retourner le camion parce que ça m'est arrivé plus d'une fois. Et c'est vrai que ça pose problème parce que ça détériore la marchandise et votre camion. Donc après ça va. Si vous voyez, j'ai autant d'heures de jeu et très peu d'argent, c'est surtout à cause des dégâts. J'ai eu pas mal de dégâts. Et là on va prendre là. Je mets pas souvent le clignotant, mais comme je vous disais tout à l'heure, voilà. Faut faire attention parce que vous voyez, si je vous disais un virage très serré, vous voyez que c'est un peu penché quand même. Et donc il suffit que vous le preniez avec un peu plus de vitesse pour retourner le camion à coup sûr. Et qu'est-ce que je fais? Je mettais d'autres. Ouais, le limiteur de vitesse que je m'étais trompé, mais bon, c'est pas grave. Limiteur de vitesse, ça vous permet d'avoir la vitesse atteinte, vitesse régulière, régulateur de vitesse, je crois que j'ai dit limiteur de vitesse, régulateur de vitesse, ça vous permet d'avoir la vitesse, comment dire, constante sans forcément rester appuyé sur la pédale d'accélération. Ou bouton d'accélération si vous êtes à la manette ou au clavier. Il y a plein de modes et tout ça, vous voyez, je découvre Berne. Il y a plein de modes qui sont vraiment très sympas. Il y en a qui améliorent les intérieurs, parce qu'on peut customiser aussi son camion en dehors, mais vous pouvez aussi améliorer vos intérieurs. Je me suis trompé de voix. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez améliorer vos intérieurs en achetant, vous pouvez améliorer votre camion, avoir un nouveau moteur, même sachant que dans le jeu vous dépasserez jamais le 90 avec votre camion. Régulation légale oblige. C'est plutôt bien foutu à ce niveau-là. Je vais essayer d'éviter de faire des accidents. Et enfin, donc on est presque arrivé à notre course. Peut-être à la fin de la vidéo, je verrai. Peut-être je ferai un petit tour de la ville pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut découvrir dans ces villes. Alors, il faut faire attention parce que faut prendre aussi au compte votre remorque parce que vous pouvez faire d'accident avec la remorque. Hein. Là, on est obligé de rouler à 50. Hein. Voilà, il faut faire attention à la vitesse quand vous tournez parce que vous pouvez retourner votre camion assez facilement. N'oubliez pas les clignotants quand vous voulez faire des vous les tourner en pleine ville parce que souvent ils vont jamais vous donner la priorité pour tourner. Hein. Je vais essayer de déposer. Voilà, vous voyez. J'essaye vraiment. Je vais peut-être durer sur ce tournant. Et en plus, j'utilise mal mon volant. Bon, enfin bref, voilà. J'aurais pu avoir un bonus pour avoir bien positionné. Bon, j'ai pas gagné beaucoup, mais bon. En même temps, c'était une petite mission, pas très longue. Donc on va vite faire la carte du monde hein, parce que voilà, je suis à 49%, j'ai découvert Berne, je crois que j'ai peut-être découvert un peu de route. Enfin, on va faire un petit tour de la ville hein, pour vous montrer ce qu'on peut découvrir dans la ville. Voilà. Et on va partir sur la gauche tout de suite. Là j'y vais un peu la foufou. Mais bon. Alors que vous voyez, là, tout ce qui est en gris, c'est pas encore découvert. On va découvrir le point d'interrogation. Qui souvent, soit est un concessionnaire, soit un...
une cellule de un sort de pôle emploi pour recruter comment dire, des chauffeurs pour votre entreprise. Ah, joli pont. Les vues sont, les paysages sont plutôt bien foutus quand même pour un jeu qui coûte que 30 euros. Hein. Le jeu ne coûte que 30 euros, ce qui est une assez bonne affaire. Quand on voit tous les jeux de simulation qu'on a ces derniers temps, moi je le classerais pas comme un jeu casual, casual gamer, parce que ça monte un peu quand même. C'est pas de l'arcade, c'est vraiment de la simulation pour de conduite à peu près. Et là je crois que ça va être un. Voilà, c'est un concessionnaire qu'on découvre. Voilà, concessionnaire MAN, comme mon camion, parce que je vais vous montrer vite fait. C'est un MAN. J'avais commencé avec un Renault. Moi j'ai dit tiens, j'ai envie de faire du MAN, quoi, j'aime bien cette marque. Alors, vous voyez, sur le GPS, il nous indique un point pour se reposer. On a ainsi un endroit pour réparer le camion qui va servir aussi de repos. Je vais essayer de reculer sans. Le problème, c'est que je vois pas le feu. Je suis obligé de tourner. Voilà. Donc, je vais vous montrer vite fait. Vous avez le point de repos. Je crois juste de passer là, je suis parti en fait. Hein. Vous voyez, vous avez ce point de repos qui est là, juste là. Et c'est souvent comme ça dans les villes. Vous voyez, là, je vais griller le feu rouge. Des fois, il va prendre en compte, des fois, il va pas prendre en compte. Mais il vaut mieux pas tenter le risque, parce que par exemple, si je le fais au prochain, il va me le prendre. Ah non, même pas. Enfin. Alors, c'est vrai que dernièrement, vous avez découvert de nouveaux concepts sur ma chaîne. Comme le guide pour bien débuter sur YouTube, hein, qui a été assez apprécié. Hein. Bon, je sais que ceux qui sont déjà débutés sur YouTube n'ont peut-être pas besoin d'un guide comme ça. Mais bon, il y en a qui veulent tenter l'aventure et qui ont besoin d'un guide comme ça. Bon, plus tard, il y aura vraiment des trucs qui intéresseront tout le monde. Là, on va voir vite fait la réparation. Vous voyez, j'ai vraiment rien abîmé de mon camion. C'est des petits coups. Et là, mais les roues sont vraiment abîmées. Donc réparer. Je vais vous montrer la modélisation, l'amélioration du camion. Vous voyez, par exemple, on peut améliorer la cabine. Vous voyez, paf, je peux avoir une cabine comme ça. On peut améliorer le châssis pour faire un camion comme ça. Le moteur peut avoir plus de kilowatts apparemment. L'intérieur, vous voyez. Alors, je vais vous montrer vite fait. Vous voyez, il était comme ça, il est comme ça bah, quand je l'ai customisé, mais à la base il est comme ça. D'accord, il veut pas. Je veux sortir de là. Vous voyez, vous pouvez changer la couleur du camion. Il y a aussi les petits rajouts que vous pouvez changer les pneus, tout ça. Ici, pareil, changer les marchepieds. Changer la barre là, le barbufle, les rampes. Vous voyez, plein de customisations. Vous pouvez racheter et rajouter une plaque de chauffeur. Bon, on va voir la commande et on va la vider. Parce que, hop, sinon. Il va me changer tout. J'ai vu que j'avais débloqué une nouvelle peinture, je crois. Et on peut faire des couleurs, des trucs personnalisés. Et par exemple, ça en pète, hein. Ça en jette, hein. Ça fait penser au camion que vous avez souvent. Que vous avez souvent. Vous voyez souvent sur les routes. Voilà. Enfin bon bah on va se quitter sur ça avec un petit peu de route. Hein. Bon il y a plusieurs styles de camions, il y a des grandes marques comme MAN, DAF, Renault, Truck, vous avez aussi j'en oublie une très importante Scania, voilà.
Donc vous avez vraiment beaucoup de, comment dire, de marques. Enfin, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Excusez-moi pour le ton de voix parce que les conditions pour faire la vidéo sont un peu particulières. Je dois pas faire trop de bruit donc excusez-moi. J'espère que ça entachera pas le live commentary. Hein, parce que c'est un live commentary. Hein, j'en fais très peu en vidéo détente ces derniers temps. À part la NBA. NBA 2K. Vous voyez, là c'est interdit, je peux pas y aller. C'est dommage, hein, qu'il manque beaucoup de tracés. C'est un semi-open world. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Si vous avez envie de le tenter, tentez-le, il y a la démo. Hein. Mais ne le craquez pas surtout. Parce que les développeurs ont vraiment du mal à... Si vous voulez vu plus de contenu, tout ça, faut l'acheter parce que sinon, les développeurs, ça leur coûte cher pour le développer quand même. Regardez graphiquement, ça a dû coûter pas mal d'argent. Ça coûte pas mal d'argent. Vas-y, tourne. Ah, il veut pas tourner. Hein. Donc, n'hésitez pas à l'acheter. Vous voyez, il y a un petit peu de passant, mais pas tant que ça. Ah, elle fait demi-tour. C'était radical en tout cas. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Hein. N'oubliez pas de lire la description, de mettre un pouce vert, de vous abonner à la chaîne si vous découvrez la chaîne, et surtout commenter, hein, donner vos avis sur le jeu, tout ça, toujours un commentaire constructif. Hein. Parce que si c'est pour dire de la merde comme il y en a qui savent faire, ça sert à rien. Enfin, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.